C'était pas un bruit normal. Prenait des jours. C'est quoi ce bordel? Sur l'épidémie sont impressionnantes. Merci. Le tourisme sur les lieux d'épidémie, je trouve ça génial. Je vois ça. Vous espériez organiser plusieurs visites touristiques par jour. Ça me paraît possible. J'ai passé en revue plusieurs circuits dans ma tête et je pense qu'on doit pouvoir le boucler entièrement en 1h30 à pied. Des circuits à pied? Ah non. Non, non, c'est impensable. Vous l'ignorez peut-être, mais les touristes détestent marcher. Un bus me semble préférable. On peut y mettre plus de monde. Ah, d'accord, ça peut marcher aussi. Et on pourrait terminer par le musée. Oui, excellent. Mais il n'y a pas de musée. Et pourquoi pas la boutique de cadeaux.
Faites attention à vous. J'ai de la marchandise de premier choix. J'ai tout ce qu'il vous faut. Allez-y, mollo, hein. Vous arrivez à souffler, des fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les avez tous tués? Vous êtes là depuis longtemps? Vous avez pas vu une journaliste appelée Vic? Oh, si. Si, elle s'est planquée ici pendant un moment. Elle a laissé des affaires. Vous pouvez y jeter un œil? Edith, je vous dois une fière chandelle. Je dirigeais une boutique ici jusqu'à ce que quelqu'un laisse la porte principale ouverte. S'il vous faut un truc, passez me voir. C'est l'écriture de Vic sur le mur. Ça doit être là. L'entrée principale. Allez, Franck. Sympa. Il doit y avoir quelque chose. Regardez-moi ça. C'est du matériel militaire. On dirait que Vic s'en servait pour transférer des rapports. Merde, elle n'est pas venue depuis des semaines. Donc, l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Et d'après Connor, les paramilitaires gardaient l'entrée. Je vais devoir aller voir ça de plus près. Hé, avant que vous partiez, j'ai un truc à vous dire. Je vous ai entendu parler. Si vous allez à la porte principale, passez par le parking et allez jusqu'à Medieval Town. Les autres chemins sont tous bloqués depuis l'arrivée des soldats. Faites quand même gaffe. Ces crétins avec les masques à gaz ont bâti une sorte de fort à Medieval Town. Si vous y allez, préparez-vous à vous battre. Faites des réserves tant que c'est possible. Ha ! C'est noté ! Pas évident, mais je sais où me fournir. Entrez, entrez. Faites attention à vous. Faites des réserves tant que c'est possible. On n'est jamais trop prudent. Oh.
Bon, allez tuer quelques zombies. Ça se présente plutôt mal. Hors de mon chemin. Je vais me faire bouffer la couenne si je traîne ici trop longtemps. Cette fois, j'ai compris la leçon. Je vais aller me réfugier Fissa dans l'abri. Moi, c'est Frank West, au cas où tu te poserais la question.
Je crois que je l'ai vu faire. Elle transfère des espèces de rapports. J'ai trouvé le premier. Je vais vous lire. Ok, Vic Chu, premier jour. Willamette est perdue. Épidémie à grande échelle. Il y a des hordes partout. Des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Ces pourritures de paramilitaires ne sont qu'une pièce du puzzle. C'est le gouvernement qui a fait le coup. Et quand je le prouverai, quand je démasquerai ceux qui tirent les ficelles, eh bien... peut-être que je vais convaincre Monsieur Frank West que le journalisme n'est pas qu'une question de gros sous. Ça date d'il y a un mois environ. Merde! Elle a beaucoup d'avance sur moi. Je vais essayer d'en trouver d'autres. En attendant, regardez si vous ne trouvez pas ce genre de terminaux. Terminé. Applique-toi, putain! Mais vous êtes sur les terres souveraines de la puissante reine Sandra. Alors maniez-vous de déguerpir! Tiens, bonjour! Je savais pas que l'association historique des faces de cul était en ville! Qu'est-ce que vous venez de me dire? Eh ben, si la reine Sandra est aussi consanguine qu'elle en a l'air, c'est tout à fait mon type de femme! Ça va se payer! Ta mère était une hyène et ton père sentait des trous de bras! Hé, hey, ouvrez! Je vais aller donner une leçon à ce vieux con! Hé, hey, bûcheron en fer blanc! C'est pas moi le méchant dans l'histoire! Martha! Go!
pas un peu trop vieux pour vous déguiser? Prépare-toi à mourir! Fais tes prières! Nous serons en fer blanc. C'est pas moi le méchant dans l'histoire.